Bonjour, si cette vidéo te plaît, pense à mettre un pouce bleu. Et salut à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va super et donc on continue, on ne s'arrête pas là. Là je suis chaud, je suis sur ma lancée. On est en pleine bataille navale, on va éviter de s'arrêter là. On est en route. Et on va aller leur casser la gueule. Oui, voilà. Rip vous. Ouvrez le feu. Rip, hop. Hop 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 hop. Nickel, ça nous fait de l'iridium en mars. Allez, vous allez aller me taper là-dedans pendant que toi tu vas venir récupérer tout ce qu'il y a ici. En avant, allez, viens. Hop, tu récupères tout ce qu'il y a là. Sur les autres n'ont pas besoin de toi, je ne pense pas. Au poste de combat. Ouf, pipafou, boom, bitch. Get out of the way. On est paré. Hop, hop. Nickel. Toi tu vas aller casser ça. Coordonnées confirmées. Toi tu vas rejoindre tes copains. Au poste de combat, ils nous attaquent. Engagez le combat. Hop, vas-y, toi tu lui casses la gueule. On est en route. Oui. Nos vaisseaux sont sélectionnés. Une flotte d'appui, où est-ce qu'on peut la mettre? On va aller la mettre là-bas après, je pense. Paré à l'action. Allez, quand même. C'est un peu mou là. Là je les trouve un peu mou. La flotte est un peu molle. Mais c'est pas grave, je suis assez content de comment on s'en sort là dans la partie. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Vas-y, hop, une flotte de soutien ici. En route, la situation voilà. Aurait tourné parfait. Au désastre. Nickel. Toi, tu vas mourir. Lancement de missile. Et poum poum poum, rip. Rip. C'est assez violent, les trucs nucléaires. Mais j'aime bien. Allez, on continue. C'est parti. Du coup, ouais, il nous reste quand même pas mal de zones à explorer. Hein. C'est vrai que la dernière fois, on s'était laissé. Je m'étais dit, bon allez, je vais avoir le temps de faire la vidéo et tout ça. Mais non, là, ce n'était pas possible. Ça allait être un petit peu compliqué. Affirmatif. Oh. Reçu. Toi, tu vas être capable de partir un peu en solo. Ouais, tu vas venir ici. Hop, on va mettre ça comme missile ça. Nucléaire lancé. Voilà, comme ça tout le monde il est down. On va voir s'il y en a pas un autre qui a besoin d'un petit peu de soutien. Non, pas du tout. Système d'armement activé. Hop, on y va tranquillou. Hein, le but c'est pas d'y aller, c'est construire. Hop, nickel. Affirmatif. Non, très bien, très bien. Voilà, très bien. On y va. Reçu. On va aller chercher une frappe de missile. Pendant que lui va casser ça. Les autres ils vont péter ça, mais lui il va venir chercher ça ici. En avant tous. Hop, très bien. On nous attaque. Non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'aurais pas dû mettre une mission nucléaire, mais c'est pas grave. En avant, tout. On va le faire rejoindre ses petits potes. On va mettre un coup d'IEM. Ah, les enculés. Ils sont pas bêtes. On est paré. Reçu. Et paf, voilà, allez c'est parti. Lancement de missile nucléaire. Broum, voilà ça, là c'est la guerre. Elle est indestructible. Oui d'accord. On va réparer nos bâtiments. Système de réparation activé. Très bien. C'est parti. On va avoir besoin un petit peu de tout sel. Ploum ploum ploum, pif paf pouf. Bien reçu. Allez,
qu'on a oublié. On est paré. Bah alors. Ce problème ne se représentera plus. Ouais, mais on n'a pas fini. Système d'armement activé. On va récupérer vraiment, moi dans ces jeux-là, quand je fais des trucs comme ça, j'aime bien vraiment, voilà, aller jusqu'au bout du jeu, sinon ça sert à rien. Pourquoi vous êtes capable de toucher des cibles immobiles? Mais ta gueule! Attends, le mec, il est en train de perdre, et en plus de ça, il me dit oui. Extinction des feux. Hop. Cible acquise. On va lui péter un coup de ça. Un coup de missile nucléaire. Franchement, c'était. Et ploum. C'était flippant, mais non. C'était flippant. Eh ben, c'est parfait. On upgrade lequel? Un cuirassé plus difficile à couler, il embarque des torpilles. $120 000 quand même. Oh, ça coûte trop cher pour le moment. On verra ça plus tard. Ce n'est que du béton et de l'acier. Et ouais, mais on les a défoncés. Est indestructible. Et ouais, frère, on les a défoncés. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Bah ouais, où est-ce qu'on en est? Je dois dire que je vous ai sous-estimé. Voilà. Toutes la mes prochaine excuses. Fois, tu fermes je ta gueule. Je promets de vous aider dans vos projets. Ces terroristes n'ont pas fini de faire parler d'eux. Mais Global Union ne cédera jamais aux exigences de Drake. Et le ouais. programme de licence lunaire doit continuer. Ben bien sûr. J'ai et à vous parler. Soucis. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Quoi donc? Merci. Le conseil. C'est là qu'on tire les ficelles de l'économie mondiale. Vous pouvez influencer la prise de décision. Tout dépend de qui vous soutenez. Je vous ferai des recommandations de temps en temps. Mmh. Fabrique, labo. Cassian Industries. Bâtir aujourd'hui les fondations d'un avenir radieux pour Tais-toi. Vous. Tais-toi. Pour nous, pour tous. Arrête de parler. Lei Sheng Electricity s'engage à développer des solutions énergétiques intégrées partout où ira l'humanité. Je suis sceptique. Et puis en plus, je peux même pas vous demander directement. Je pense que je vais partir dans la biotechnologie. Avec Ibarra Foxcom, les communications voyagent dans les étoiles. Ouais, voilà. Ou lui. Ouais, non, honnêtement, on s'en tape un peu. Matière première. Usoyev va inaugurer l'ère de la chimie spatiale. Vas-y, on s'en tape, allez, on prend elle. Voilà. On prend elle et on verra. Voilà. C'est comme ça. On repart en Arctique. On va voir comment ça se passe par ici, voir si ça se passe bien, tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui, ici? J'espérais bien. Oui, tu veux que je t'aide? L'Arctique est le seul endroit sur Terre où l'on peut encore trouver des carburants fossiles, voyez-vous? Par le passé, de nombreuses corporations ont tenté d'écouler Arctique Custodians. N'hésite pas à exclure les compagnies, ces carcasses rouillées. D'accord. Ah, mais très bien. Il n'y a pas de souci. Allez. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifiques. Il manque des boissons vitaminées. Et pour ça, pour les boissons vitaminées, les amis, c'est pas compliqué en fait. Enfin, un petit peu. Mais non. Attendez. Conserverie. Il n'y en a pas assez. Déjà, on va augmenter le nombre de poissons. Voilà, parce qu'on est comme ça. Et ensuite, on va augmenter la conserverie. Il faut que ce soit juste à côté. L'hiver éternel. Alors, pour ce faire... On va faire ça. Et on va remettre un module derrière. Et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà, comme ça, on en a ni besoin. On en manque pas, mais on n'en a pas besoin non plus. Il faut enlever les traces. Ça va aller vite.
il nous a demandé d'enlever les traces. Donc enlevons les traces. Elles sont où les traces, mon ami? Il y en a combien? 6. Bien évidemment, la dernière sera la plus longue à trouver. Et elle est là. Tout a l'air conforme à nos réglementations. Bah oui, on peut. Merci de poursuivre le démantèlement de la plateforme pétrolière. Ah, vous voilà. La clé du succès, c'est... Ok, votre population... René, j'ai une totale confiance en vous. D'accord, merci. Et lui, maintenez votre population de protecteurs à 500. Sous 500. Eh ben, on va pas se développer, on va rester comme ça, et puis fuck it. On va faire une petite mission secondaire j'ai en attendant. J'ai vu ça sur un forum. Je me suis dit que c'était pile dans vos corps, ça me plaît. Ouais, si tu veux, de toute façon, ça va nous prendre 2 minutes. Allez, viens arrimer ce petit bateau. Et comme ça, ça nous permet de passer le temps pour la mission, là. Celle-là. 4 minutes encore. Sont là, honnêtement, on va avoir du mal à dépasser 500 protecteurs. Hein. Honnêtement. Attends, non, mais sérieux, même dans mon autre partie, j'y suis même pas à 500, donc pour vous dire. Et ensuite, on va mettre en place une route commerciale. Il y a de la place pour quelques améliorations. Oui, il y a de la place, je sais. Putain, ta gueule, faut que je désactive le didacticiel, sérieux. Allez, va livrer. Il y a encore moyen d'améliorer ce système. Suffit d'un peu de calibrage. Exactement. Si tu pouvais fermer ta gueule, ce serait encore mieux. Désolé. Désolé, mais voilà, fallait que ça sorte, c'est comme ça. Cette mission-là, on l'a presque terminée. Hop, bateau de l'espace. Vas-y, tu te décharges. Bon, ça t'est que le bateau est stylé quand même. Hein. L'analyse rétrospective est excellente. Oui, parfait. Parfait, merci. Touch my tralala. Sélectionner une usine. Dépenser pour construire un module. On va voir ce que ça donne. Parce que oui, bien sûr, je sais le faire, mais... On a tout installé. Essayez voir. Voilà. Le bon Paf. Système, c'est la clé. Et ensuite... Accepter des missions à chaque... Et je viens de l'accepter, celle-là, en plus. Vous seriez partant pour cette mission? Un peu de rang. Quel soulagement. Trouver caisse, ben allons-y, hein, on va voir. On a 2 à trouver. Bon, ça se tente, hein. En plus, on a des mousses métalliques. Les caisses! Non, non, ce ne sont pas des caisses CS. J'aimerais que ce soit des caisses fauchons. Oh, bordel. CSGO addict. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver en live de temps en temps où c'est tout net, ou plein. Enfin, où toutes les marmottes en fait en live. Alors, qu'est-ce ici? Je savais qu'est-ce que je pouvais compter sur vous. Toutes les marmottes en live, tous les liens, de toute façon, ils sont dans la description, hein, trêve de blabla. Vous le savez déjà! Alors, du coup, là, lui, finaliser l'amélioration. Orbital Watch représente une plus grave menace qu'on ne pensait. Ah ouais. Avec sûrement des partisans secrets. Ah ouais, c'est Global sûr. Global Union doit impérativement afficher une forte présence sur la Lune. Mm-hmm. Pour ce faire, nous avons besoin de vous pour expédier sur place toute une flotte de navettes coloniales. Une technologie spatiale que vous allez développer de ce pas. D'accord, donc créer une route de transfert. Boum, déjà. On va faire la route de transfert. Créer une nouvelle route de transfert. On sélectionne ça. On va de là à de là. Et on finalise. Non, on confirme. Votre personnel arctique subit des températures extrêmes à longueur de journée. Non, mais je comprends. Ces vitamines ne seront pas de trop. Mais oui, tout à fait. Et ensuite... Nouveau plan prêt pour intégration. Alors, traitement c'est quoi de l'information. Yeah, hop. Et paf, normalement on devrait être bien là. Après, de toute façon, on va lancer le bordel. Alors, oui. On peut pas en
encore upgrade. Upgrade, oui, on upgrade. Alors, bon, du coup, on reprend, désolé. Ça, il faut attirer des scientifiques. Hop, donc de toute façon, il va falloir qu'on continue. Vous avez donc pour l'exclusivité ça. L'exclusivité de cet espace de construction. On va mettre lui. Et en plus de ça, on va mettre lui. Oh, pourquoi je l'ai mis si loin, Morty, t'es trop con. On va le mettre là. Une petite route qui va bien. Et paf. Et en plus de ça, on va lui mettre des petits gens. Des petits gens, petits gens, petits qui dansent. Hop, et voilà. Quelques personnels en plus. Oui, nous pouvons le dire, des personnels. 105, on garde un bon ratio, toujours en augmentation. Très bien. On va venir ici, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut ? Vous êtes franchement à la bourre, là. Bah quoi ? Va te faire foutre ! Ah, il a pas assez de logistique. Oui, effectivement. Si je fais... Il y a encore moyen d'améliorer ce système. Ça, est-ce que ce sera mieux ? Un peu de calibrage. Voilà. On va faire ça. On a tout installé. Essayez voir. Ouais. Si je fais ça. C'est de la qualité, vous verrez. Ouais, ça commence à pomper, hein. Comme vous pouvez le voir au niveau du rendement de crédit. Là, ça commence à pomper. Oui, ça pompe. Donc il va falloir qu'on remette des gens encore. Encore et toujours. De toute façon, les gens, c'est la clé. La clé. Hop, ici on garde un peu de place. Voilà. Et voilà. Très bien. Très bien, ça réaugmente. Arrimer le bateau. Hop. On y va, on lui donne le véhicule. Nouveau bâtiment disponible, qui est donc ? Nouvelles options de construction. Usine Neuroprout. On la met là, mais nos systèmes de contrôle hop, on va mettre de pause. Communications spatiaux seront desservis. On par met pause pour le moment parce que ça coûte un bras en entretien. Et le centre communautaire, on va le péter ici. Quand l'heure est aussi grave, il est crucial que les gens se serrent les coudes. What? Et d'autant plus quand on affronte une menace. Le FUC. J'aurais pas dû le mettre. Non. Faut qu'on mette plein de gens. Plein de gens partout. Attendez, est-ce que ça augmente? Ouais, légèrement. Trop peu à mon goût. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifiques. Qu'est-ce qui te manque? Des implants neuronaux. Mais ça, on s'en contrefou. Les implants, pour le moment, on s'en tape. C'est pas le plus important. Il y a une belle colonie de phoques ici, là. Mais on s'en fout de tout ça pour le moment. Le plus important, on produit pas assez de trucs comme ça. Enfin, là, c'est la merde. Hop, ça, on va le déplacer. Ça, on va le mettre là. Voilà. On va remettre une maison... Bah, ici. Et là. Là, c'est la merde, en fait, parce que eux... Hop là, merde. Eux, il faut qu'ils soient dans le chaud pour être bien. Eh oui, ils sont pas chiants. Je vous le dis, moi.
Hop, on va mettre plein de maisons et tout, parce que les maisons c'est trop bien, c'est pimp et tout. Eh, mais ils ont pas l'air d'avoir froid en plus! Oh, c'est trop bien! Ah ouais, si, ils sont transis. Ok, il y a de la place pour quelques améliorations. Alors, ouais, mais les améliorations, t'es mignon, ça me coûte un bras à chaque fois. Déficit majeur, ça j'ai bien compris. On va continuer la route. Par ici pour venir jusque là. Et ici, on va mettre des petites maisons. Donc on va en mettre une là. Une là, une là. On va y aller, optimisation. Ouais, c'est pas vraiment l'optimisation, mais on s'en fout parce que ça fonctionne. Le but, c'est de faire remonter ce truc-là. Alors. D'accord, là, on est bien. Enfin, non, ça coûte un peu cher quand même. on va mettre des modules pour faire baisser le coût en main-d'œuvre ou en... Je sais plus comment on dit, là. Hop, ça baisse un petit peu le coût d'entretien, et ça, on va essayer de faire... Ah, on n'a plus d'iridium, merde. Et là, si je lance ça, alors là, on se tue. Là, honnêtement, on va se tuer. Réfléchissons. Les scientifiques, mais pourquoi je peux pas faire les scientifiques? Attendez. Les scientifiques, voilà, ils sont au-dessus. Ah ouais, c'est que tout n'a pas été activé en fait. Bon allez, on se met en déficit 2 minutes. Ok, ça coûte que 200 au final. Centre communautaire, ça c'en est un truc, neuroprout là. Et on est bien partout en plus. Et on repasse bien en plus. Ah, génial. Génial. Ah bah oui, du coup, ouais, ça chauffe tout ça. Donc du coup, les gens, ils viennent enfin. Bah oui, je comprends mieux, MIT. Alors, hop, pim pam poum. Pam, papoum. Nickel. Mais c'est pas tout. Il nous manque quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Nous n'avons pas les moyens militaires de régler ce problème. Attirer 250, ok. Ah oui, d'ailleurs, ça va faire que clignoter, là. Ravi de vous revoir. Comment avance votre mission? Bien? Doucement mais sûrement, comme on dit, hein, ça va bien se passer. Lui, 1 sur 2, et là on va aller chercher l'autre bateau, voilà. Nickel. Eh, on est pas mal, ma foi. Je trouve qu'on se démerde bien. Sans déconner. Alors. Vas-y, arrime-le. On retourne en bas, on vient ici. Très bien. Hop. Il arrive tranquillement. Descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne à cheval. Ok, nickel. Allez. Ah oui, d'accord, il est comme ça. Très bien, oui, très bien. Vas-y, tu viens, tu le mets. Ne soyez pas modeste. Et paf! Vous nous avez rendu un fier service. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène? Bon, tais-toi.
Eh bien, écoutez, les amis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un pouce bleu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bisous.